Pacha. Allez, fiche-moi la paix, j'ai passé toute la nuit à travailler sur ce dossier-là. Bien évidemment, il fallait que je le relise. Oh. Écoute, voici ce qu'on va faire. Je t'envoie ce que j'ai fait, d'accord? Tu y jettes un coup d'œil et ensuite on verra. Oh. Non, j'ai un programme très chargé aujourd'hui. Oui, j'ai un rendez-vous programmé. Désolé, j'ai un rendez-vous, je t'ai dit. Non, ce n'est pas un rencard. Et pour ton information, je ne me souviens plus de la date de mon dernier rencard, tu vois. Collins. Cela fait au moins 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Ben, passe ses journées devant la télé, je crois. Et elle adore les beaux vêtements, les beaux talons, enfin, tu vois, tout le genre. Et en plus, elle est très coléreuse. Attends, t'es sérieuse, là? Et Mike? C'est quoi cette pagaille? Nema! Il me semble t'avoir dit de ne pas déposer les dossiers sur mon bureau. Je suis désolée, madame. Garde tes excuses! Prends ça et sors de mon bureau tout de suite. Désolée, je peux te rappeler? Nema! Écoute, je suis désolée de t'avoir crié dessus. Je suis vraiment désolée. Mais c'est juste que... c'est juste que... Salut. Salut. Prends ces documents et va faire des copies en bas. D'accord, madame. Dépêche-toi. Ok. Ça fait un bail? Ouais. Les nouvelles affectations ont été publiées hier et j'ai été affecté à la polyclinique de Souyani. Je suis juste passé pour te dire au revoir. C'est gentil de ta part. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, mais aujourd'hui, c'est le 30e... Si c'est du voyage que tu veux parler, Collins, oui, je le ferai. D'accord, super. Super. Ouais. Je suis vraiment fière de toi, Gina. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es fière que de ta propre petite personne. Tu crois que je peux le faire parce qu'elle me l'a demandé. Gina, quoi qu'il en soit, tu dois faire amende honorable. Et tu es très mal placé pour me dire ce que je dois faire ou pas, monsieur. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Écoute, Gina.
Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je veux juste que tu saches que... tu ne peux pas continuer à t'apitoyer sur ton propre sort. Ça ne fait pas que pourrir ta vie, ça pourrit aussi celle de ceux qui t'aiment. Ok ? J'avais pensé à ça. Je savais que tu allais t'en prendre à moi, à tel point que je ne saurais même pas te dire ce que j'ai à te dire. Alors tu sais quoi ? Je t'ai écrit cette lettre. S'il te plaît. Et pour l'amour de Dieu, lis-la. Quand tu auras un peu de temps. Ah tiens, tu sais, dans la vie, les choses peuvent très bien tourner. Ou très mal tourner. Dans tous les cas, elles méritent d'être vécues. Maintenant, te voici, Georges. Cela fait 30 ans que j'essaie de me refaire un moral. Oui. Vous venez voir le vieil homme? Vous venez pour le vieil homme? Le vieil homme? Oui, vous venez pour le vieil homme. C'est par ici. Venez, madame. C'est là. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu m'entends, là? Je sais que c'est pas facile de parler à une personne étrangère, mais c'est plutôt moi qui devrais être nerveuse en ce moment. Il a dit de pas me parler, c'est ça? Bon sang, ça c'est quel problème? N'importe quoi. Le vieil homme habite là-bas. Si vous arrivez là-bas, renseignez-vous. Le vieil homme, mon œil? Tu veux même pas répondre à de simples questions, tu m'entraînes jusqu'ici et tu veux me laisser et partir?
Vous parlez, mais je n'entends rien. J'essaye de lire sur vos lèvres, mais vous parlez trop vite. Ah. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour, Gina. Je suis content de te voir enfin. Je pourrais pas en dire autant. Papa. Assieds-toi, je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Non. Même pas de l'eau? Non. Je t'ai écrit plusieurs lettres. Tu les as reçues? Bien sûr que oui. Et tu n'as répondu à aucune d'entre elles? Parce que je ne les ai pas lues. Les voilà. Tu vas me demander pourquoi je ne les ai pas lus? Allez, papa, vas-y, demande-moi. Tu dois me haïr. Te haïr? Non, non, Georges, je ne te hais pas. À vrai dire, j'ai passé des années à essayer de te haïr, mais je ne suis jamais arrivée. Dis-moi, qui aurait le temps de haïr un vieil homme pathétique qui vit misérablement en autarcie dans un endroit perdu? Tu as oublié que c'est la première fois que je te rencontre depuis 25 ans, papa. Et crois-moi, il m'a fallu faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Alors, si tu crois que tu as des arguments solides et raisonnables pour justifier ton attitude, fais-le pour que je puisse me convaincre encore que tu mérites cet honneur que je suis en train de te faire en te regardant en face. Tu as raison. C'est vraiment de ma faute. Tout est de ma faute. J'assume la responsabilité pour tout. Je suis vraiment pathétique. Misérable. Et tout autre adjectif qui pourrait mieux décrire un homme qui a commis une erreur comme celle que j'ai commise. Je passe mon temps ici même à contempler les nuages du lever au coucher du soleil, espérant qu'un jour tu pourras me regarder en face et me dire que tu me pardonnes. Alors si aujourd'hui n'est pas ce jour, c'est que je n'obtiendrai plus jamais ton pardon. Je t'en supplie, ma fille, pour l'amour de Dieu. Laisse-moi au moins te raconter mon histoire. Ensuite, tu pourras me juger. Qui a peint ce tableau? C'est moi. Ça t'a pris beaucoup de temps? Cette nuit.
cette nuit, tu as fait le portrait d'une femme dont tu as brisé le cœur censé ta dame. Dis-moi, Georges, y a-t-il une différence entre ton histoire et celle qu'on m'a déjà racontée? Peut-être qu'il y a une différence, Gina. Mais ta mère insinuait beaucoup de choses que je n'avais pas faites, mais ne savait pas grand-chose de ce que j'avais fait. Il paraît que le dernier bus pour Accra part à 18h. C'est exact. Mais tout comme moi, il y a quelques années, ceux qui partaient ne savaient pas vraiment les douleurs qu'ils laissaient dans les cœurs de ceux qu'ils laissaient derrière eux. Nous avons tendance à partir avec beaucoup de rêves, en oubliant que sous le soleil, l'argent n'a pas plus de valeur que la poussière. Tu sais, ma fille, je me demande ce que vaut bien cette vie. Je t'assure que je n'ai que des regrets. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte encore de la grave erreur que j'ai commise. Tu vas vraiment me manquer. Tu vas me manquer aussi. Je te promets de venir te chercher dès que j'aurai tout réglé. Je trouverai un moyen de te sortir de cet endroit maudit pour qu'on puisse enfin se marier. Promets-moi que tu vas m'attendre, ma chérie. Jusqu'à quand, Georges? Quel que soit le temps que ça prendra. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il faut que j'y aille. Georges, tiens. D'accord. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un peu d'argent. Non, 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 non. Tu en as plus besoin que moi, Effia. Non, Georges, ne t'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. J'ai économisé tous mes revenus de ces 6 derniers mois, ne sachant pas que tu avais un projet de voyage. Je pourrais pas me pardonner s'il te manquait quoi que ce soit. Ne m'oublie pas, Georges. Comment peux-tu dire cela? Je te jure, jamais de la vie. Je ne t'oublierai.
Hé, hey Paul, vas-y, gagne-le, hein. Ne te laisse pas faire. Pousse. Vas-y. Achève-le, hein. Pousse à gauche. Vas-y. Ah, super. Ah, vraiment, c'est pas la peine. Alors avance un peu vers la droite, s'il te plaît. Ah, salut, c'est bien. Bonjour. Salut. Hey, je cherche... Oh, Mike? Voilà. Waouh! J'étais en train de réfléchir à comment retourner au village. Pourquoi? Tu sais combien de temps j'ai marché en cherchant à retrouver ta maison avec l'adresse que tu m'as donnée? Et je commence même à ressentir des douleurs au niveau des gens. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit de téléphoner avant? J'ai téléphoné, mais le type que j'ai eu m'a dit qu'il te connaissait pas. Ah, Paolo doit être ivre encore. Ivre? À cette heure-ci? Y a-t-il une heure précise pour boire, Georges? Ici, ce n'est pas comme dans ton petit village de 200 habitants où tout le monde va à la même église. Bienvenue à la capitale. Bienvenue chez toi, mon frère. Pas mal. C'est ici, dans cette petite maison, que je me cache, mon frère. Je trouve que c'est largement mieux que la chambre d'Eddie chez qui on avait l'habitude d'aller regarder les matchs de foot. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Le village me manque vraiment. Quoi? N'y pense même pas. Pourquoi? C'est toujours le même petit vieux village au bord de la rivière où les rêves et espoirs sont enterrés dans les filets de pêche. Donc c'est pour ça que tu as fui, c'est ça? Rêves et espoirs. Mike, je veux faire quelque chose de bon dans ma vie. Je veux accomplir ce que personne d'autre n'a jamais accompli avant. Georges, t'as l'air désespéré. Je préfère le mot ambitieux. Je dois réussir. À propos du travail, j'ai déjà discuté avec le chef des ouvriers. Donc dès demain matin, nous irons le voir. Allez-y, parlez. Nous y sommes presque, boss. On y est presque dans 10 minutes. Nos partenaires du Bénin sont là, madame. La présentation aura lieu en salle de conférence 2. Annulez-la, d'accord? Comment? Vous m'avez bien entendu, Doris. Suspendez tous mes rendez-vous. Et faites apprêter ma voiture, je sors. Je n'aurai pas besoin d'un chauffeur. D'accord, madame. Madame? Hein? Je sais. Deux hommes sont venus ici. Et ils m'attendent au sous-sol, n'est-ce pas? Va dans la chambre, d'accord? Et ne fais pas de bruit. Reste dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre. Oui, j'ai compris. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez mis tout ce temps? Ça n'a pas été facile, madame. Il nous a fallu le poursuivre. Mais j'espère au moins que vous lui avez donné une bonne correction lorsque vous l'avez enfin capturé. Bien sûr. Nous sommes trop impliqués dans cette affaire pour être complaisants. Tiens! Aïe! Allez! Maintenant, laissez-nous. D'accord. Je suis une femme trop dangereuse pour que tu veuilles jouer avec moi. Rares sont les personnes qui me provoquent et qui s'en sortent vivants. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu être aussi stupide? Je t'ai ramassé dans la rue. Je me suis intéressée à ta misérable personne. Tu as eu accès à mon intimité.
Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu m'as trahi, sale chien. Tu as détruit la chose la plus importante à mes yeux sur cette terre, tu comprends? Et tu vas payer pour ça. Jean! Qu'est-ce qu'on en fait? Prenez une hache et découpez-le en morceaux. Et enterrez ses restes à différents endroits. Et gardez-moi son crâne. Considérez que c'est déjà fait. Non, non! Ah ah Comment tu te sens, ma chérie? Je me demande exactement comment je dois me sentir, maman. Il faut qu'on en parle toutes les deux. Je m'étais déjà dit que tu voulais qu'on en parle. Tu veux me donner tes ordres, contrôler mes pensées, mes émotions et me dire carrément toujours comment je dois me sentir, n'est-ce pas, maman? Ma fille, ce n'est pas la fin du monde. Oh, bien sûr que oui, maman, c'est la fin du monde! Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu couchais avec lui? Pourquoi? C'est dans ton plus grand intérêt que je ne te dise pas de telles choses. Attends, est-ce que tu t'entends parler, mes bons sangs? Tu t'entends parler? Pour être franche, est-ce que tu peux arrêter de te comporter comme si tout était sous contrôle, maman? Arrête ça un peu! Ta fille est tombée amoureuse et ensuite est tombée enceinte. Juste pour se rendre compte seulement 4 mois plus tard que l'homme avec qui elle était et avec qui elle rêvait de faire toute sa vie était le même homme qui se tapait sa mère. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ta grossesse? Parce que je ne voulais pas que tu la contrôles comme d'habitude, maman. Je ne le voulais pas. Je ne le voulais pas. J'allais moi-même régler mes problèmes toute seule. J'allais moi-même les résoudre, ok? D'accord. Alors résous cette affaire maintenant. Et répare ton utérus endommagé. Résous un horrible avortement qui a mal tourné. Résous le fait que tu ne puisses plus jamais avoir d'enfant. J'aurais pu résoudre cela si seulement la femme que j'appelle maman n'était pas une garce qui ne sait pas croiser ses jambes. Bon, tu m'as frappée? Oui, je l'ai fait. Et je te jure au nom de Dieu que je vais le refaire si j'entends encore un seul mot sortir de ta sale bouche. Tu veux dire qu'il n'a pas appelé? Même pas un message pour moi? Effia, je viens de te le dire, il n'a ni appelé ni laissé de message. Ceci n'est pas digne de Georges. J'espère qu'il va bien. Écoute, Effia, il se fait tard et je dois aller me coucher. S'il appelle, je vais lui dire que tu t'inquiètes pour lui. Et je vais lui... Allô? Allô, Mena? C'est moi, Georges. Je suis désolé pour le dérangement, mais s'il te plaît, j'aimerais parler à Effia. Oh, dommage. Elle est partie en voyage. En voyage? Oui, elle est allée au marché du port de pêche. Dans une pirogue. Celui qui est situé sur la côte où l'on trouve des produits importés. Oh, je vois. Ok, s'il te plaît, lorsqu'elle sera de retour, dis-lui que j'ai appelé. S'il te plaît, dis-lui que je vais bien. D'accord, je n'y manquerai pas. Bye. C'était Hérié. Le mari de Rita. Les choses se passent bien pour lui en ville. Peu importe. Tu sais comme je te l'ai dit. Au cas où s'il appelle, je vais lui dire que tu t'inquiètes pour lui et de te laisser un message, d'accord? D'accord. Merci. De rien. Bonne nuit. À toi aussi.
day is gone. Still standing on my own. Bele miae, tomo shima shebu echa kem mingbo, mingbo. Baby, tell me, how do I live without you not by my side? Give me wings to fly, let me soar right back to you. My dear, if I had the wings to fly, I would soar right back to you, my dear. If I had the wings to fly, I would soar right back to you. Bonjour, madame. Combien de fois vas-tu me saluer aujourd'hui, Grace? Est-ce que ma fille est sortie de sa chambre? Non, madame. J'ai frappé à plusieurs reprises à sa porte, mais elle a refusé de m'ouvrir. Du café. Et bien noir. D'accord, madame. Lydia, j'ai besoin de te parler. Chérie, crois-moi, je sais à quel point c'est difficile pour toi, je le sais. Et... écoute, tu sais, il faut qu'on en parle, chérie, de mère à fille. Je ne supporte pas de te voir dans un état pareil, ma chérie. Ouvre cette porte. Lydia, je sais que tu m'entends. Je t'en supplie, ouvre-moi cette porte. Lydia! Dans environ une heure, je veux que tu frappes à cette porte. Et dis-moi si jamais elle t'ouvre. Pas de souci, madame. Grace. Oui, madame. Je sais que tu n'es pas idiote et que tu sais plus ou moins ce qui se passe dans cette maison. Cependant, ce qui se passe ici ne doit pas sortir de cette maison. Tu dois respecter le secret professionnel. C'est bien compris? Oui, madame. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pourquoi ai-je le sentiment que tu ne m'écoutes pas vraiment? Le seul sentiment que tu devrais vraiment avoir, quand bien même je pense que ce mot est profond, est souvent utilisé de façon abusive. C'est bien de la culpabilité. Mais contrairement à ce que tu penses, je t'écoute quand même. En attendant impatiemment que prenne fin toute cette... histoire. Rita? Rita? Ah, oh Effia, désolée, je suis pressée. Je vais voir ma belle-mère qui est là-bas. Je te comprends, ma chérie. Oui, je comprends, la nouvelle mariée doit contenter sa belle-mère. Sinon, seuls les dieux pourraient sauver son mariage. Je suis contente pour toi. J'ai appris que les choses se passent bien pour ton mari. J'étais à la cabine de Mena il y a 2 jours quand il a appelé. Quand il a appelé? Oui. Il voulait te parler, mais tu n'étais pas dans les parages. Et Mena lui a dit que tu étais au marché du port de pêche dans une petite pirogue. Je n'étais nulle part. D'ailleurs, mon mari ne peut pas appeler sans s'assurer qu'il m'ait parlé. Son grand frère Kofi est revenu avec un téléphone de la ville et c'est avec celui-ci qu'il me contacte. Et si je ne me trompe pas, la dernière fois que nous avons parlé ensemble, c'était il y a 2 jours. Effia va vendre tes oranges. Pourquoi tu as menti? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as bien entendu. Pourquoi tu m'as menti? Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais. Le mari de Rita ne t'a jamais appelé cette nuit. Tu as même menti en disant qu'elle avait voyagé hors de ce village. Mena, qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Rien, Effia. Je te demande de me laisser tranquille. Non, pas si vite. Pas sans que tu m'aies dit pourquoi tu m'avais menti cette nuit. Si c'est ce que tu veux entendre, j'ai menti. T'es satisfaite?
On m'a abandonnée ici avec une grossesse, tandis que vous vous pavanez ici au village avec vos maris qui sont en ville pour trouver du travail et vous envoyer de l'argent. Quoi? Pas comme si tu me voyais pas ici au village avec deux enfants qui n'ont pas vu leur père depuis 4 ans. Tu crois que c'est pas pénible? Georges a appelé. Il a dit qu'il allait bien. D'accord. Merci beaucoup. Allô? Combien de temps te faut-il pour décrocher ce satané téléphone? Désolée, madame. J'étais dans la cuisine en train de cuisiner. Où est-ce qu'elle est? Elle est encore dans sa chambre. Est-ce que tu as entendu du bruit? Non, madame. Je veux que tu montes au deuxième étage. Il y a un tas d'environ 25 clés. Dans le tiroir gauche sur l'étagère à ta droite. Je serai à la maison dans peu de temps. Prépare-les. Il est grand temps de mettre fin à ça. Lydia! Ceci a trop duré maintenant. Ça fait déjà 2 jours. Tu ne peux pas t'enfermer ici, ad vitam aeternam. Si j'ai la mémoire encore fraîche, je pense que le double de la clé de cette porte se trouve dans ce trousseau. Mm-hmm. Je veux que tu les essayes une par une, jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne. D'accord, madame. Tu sais, c'est pour ça qu'on a surnommé cette dame la dame de fer. Hé! D'ailleurs, là où je suis, je pense que le mot « fer » est un euphémisme. Non, mais pour être sérieux, malgré le fait qu'elle soit le chef de l'entreprise et malgré toute sa fortune, je ne sais pas pourquoi tout le monde la vénère comme si c'était la Vierge Marie. Georges, est-ce que tu m'écoutes? Personne, je te dis bien, personne au monde ne badine avec Evelyn Mills. Mon frère, je te dis que cette dame a un cœur de lion. Tu parles comme si on était dans un conte africain. D'accord. Écoute, écoute, ce que j'essaie de te dire... C'est que les ouvriers méritent un meilleur traitement. Et si personne ne veut lui dire, moi je vais le faire. Madame, j'ai trouvé la bonne clé. La porte est ouverte. Bien. Lydia. Lydia. Qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Hein? Non. Non. Oh, Grace! Madame! Oh! Lydia! Eh. Lydia! Eh. Lydia, lève-toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh. Lydia, est-ce que tu m'entends? Elle a échappé de justesse à la mort, c'est un vrai miracle. Cette substance a commencé à endommager son estomac. Mais nous l'avons stabilisée et nous devons la suivre pendant quelques jours. Je vous remercie beaucoup, docteur. La dernière fois que je vous ai parlé, Madame Mills, vous avez catégoriquement refusé de m'écouter, vous savez. Docteur, je vous le redis, ma fille n'a pas besoin de voir un psy. Écoutez, j'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Et je vous assure que ça ne se reproduira plus jamais. Cela fait 15 ans que je suis votre docteur. Il est important qu'elle voie un psychologue. Je vous dis non. J'ai une réputation que je ne dois pas ternir. Et j'ai également des ambitions politiques, vous savez. La pire des choses qui puissent m'arriver, ce serait que l'on apprenne dans les journaux que la fille d'Evelyn Miles soit psychologiquement instable et traumatisée, et qu'elle suive une rééducation. Les médias vont tout simplement récupérer cette affaire et vont inventer des rumeurs avec ma photo en première page. Alors croyez-moi, je vais m'en occuper, et vous, comme d'habitude, vous allez prendre le soin de garder le silence. Grace! Oui, madame? S'il te plaît, va chercher mes affaires dans la voiture. Je vais moi-même l'amener dans sa chambre. Pas de souci, madame.
Je n'ai pas besoin de ton escorte. Je peux me débrouiller toute seule. Chérie, tu es trop faible pour prendre l'escalier seule. Je peux me débrouiller. Je t'en supplie, laisse-moi t'aider. Je t'ai dit que je peux me débrouiller. Ok. Grace. Oui, madame. Garde un œil sur ma fille. D'accord, madame. Bonjour, ma princesse chérie. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ne me dis pas que tu es toujours déprimée. Je ne cesse de te le répéter. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Après toutes ces prises de bec que nous avons pu avoir toutes les deux, j'ai reconnu mon erreur. Tu peux ne pas me croire, mais je suis sincère. Et je suis absolument désolée pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi tu es désolée. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que t'en sais de la dépression? Bien sûr. Je ne m'attendais pas à une réponse de ta part. Parce que tu n'en as aucune. Tout ce que tu veux, c'est que je me taise et que je fasse comme si rien ne s'était passé. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu as tellement peur que je n'ouvre la bouche pour raconter au monde entier tout ce que tu as fait. Oh, Lydia, tu commences vraiment à me faire perdre patience. Si tu n'étais pas ma fille, je me serais facilement occupée de toi. Et puisque finalement tu as beaucoup à dire sur ma façon d'influencer sur ta pauvre vie, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux que tu arrêtes de contrôler ma vie et je veux que tu me fiches la paix! Très bien. Qu'il en soit ainsi. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Jeune homme, qui êtes-vous? Je m'appelle George Fifi Anderson. Que pouvons-nous faire pour vous, George? Je suis venu parler des récents développements au sein de l'entreprise. Et quels sont exactement ces récents développements dont vous parlez? C'est exactement pour ces raisons que nous tenions cette réunion tout à l'heure. Je sais que tout ceci ne signifie absolument rien pour vous. Pour vous, ce n'est qu'un groupe d'ouvriers sans grande compétence. Mais je veux que vous sachiez que ces hommes représentent des familles. Une source de revenus et, à la limite, une garantie pour la survie de leurs familles respectives. Vous vous contentez de mettre de beaux costumes et de vous asseoir dans des bureaux climatisés et rouler dans de grosses voitures. Mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas la pierre angulaire de l'entreprise. Vous ne voyez que des dossiers et ne faites que passer du temps devant vos écrans. Mais moi, je vois les vraies réalités sur le terrain. Les dockers chargent plus de 100 camions par jour. Les techniciens de surface nettoient chaque coin et recoin de l'entreprise. Les jardiniers s'assurent que la pelouse et les fleurs sont bien tondues. Tous ces efforts pour que l'entreprise reste et demeure compétitive. Donc la prochaine fois que vous voulez repenser l'entreprise, n'oubliez pas les hommes qui la font vivre. Il ne s'agit pas ici de qui dirige, mais plutôt de ce qui nous permet d'avancer tous ensemble. Vous avez fini? Sortez d'ici. Qu'est-ce que tu as fait encore, toi? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais ce que ça signifie? Pour commencer, ils vont chercher à savoir comment tu as eu ce boulot. Et seul le Seigneur sait que c'est moi qui t'ai recommandé. Écoute, je leur dirai que tu n'as rien à avoir avec ça si c'est ce qui t'inquiète. Mais attends, dis-moi, est-ce que tu t'entends parler, George?
Monsieur George Ify Anderson. Oui, oui, c'est... c'est moi. Oh, d'accord. C'est une convocation. Et c'est de la part de la patronne. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Environ 2 mois. Je vois. J'ai jeté un coup d'œil à votre CV. Votre parcours est impressionnant. Oui, madame. J'ai une maîtrise en administration des affaires. Et maintenant, vous êtes un ouvrier d'usine? C'est parce que les postes qui me conviennent le plus souvent sont déjà occupés. Alors, au lieu de dormir sur mes lauriers, j'ai décidé de faire tout ce qui pourrait me tomber sous la main pour gagner ma vie. Asseyez-vous. Par... comment? Qu'est-ce que... Je vous demande de vous asseoir. Quel discours impressionnant vous avez fait tout à l'heure. Je n'ai vraiment pas compris tout ce que vous vouliez dire, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est votre caractère, George. Est-ce que vous avez peur de moi? Ah, bien sûr. Pourtant, je n'en ai pas l'impression. Lorsque je suis convaincu de mes opinions, madame, j'arrive à vaincre mes peurs lorsque je dois dire la vérité. Vous savez, j'admire cette étincelle dans vos yeux. Cependant, ne vous avisez plus jamais, sous aucun prétexte, de me parler ainsi. Sinon, je serais obligée d'éteindre cette étincelle, et vous seriez dans un piteux état. Allez parler aux ouvriers et mettez fin à cette grève. Le chef du personnel satisfera vos doléances. Maintenant, sortez de mon bureau. C'était de la chance. T'es un don du ciel, mec. Je ne cesse de me demander comment tu as fait. Hé, hey, George. Tu sais quoi, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis juste allé la voir et j'ai parlé. Mais pour être honnête, je ne peux pas décrire le sentiment que l'on a lorsqu'on regarde cette dame dans les yeux. Je n'ai jamais eu le courage de me tenir devant elle. Depuis 2 ans que je travaille dans cette entreprise. Au fait, que je le veuille ou pas, je me dis que mes jambes vont s'écrouler sous le poids de mon corps. Tu sais quoi, George, tu mérites 2 bouteilles de bière. Hé, je préfère que tu me donnes l'argent. Je vais l'utiliser pour appeler Fia. Ça fait des jours que je lui ai pas parlé. Hé, tu aimes vraiment cette femme? Hein? Quoi? C'est vrai que l'amour ne signifie pas grand-chose de nos jours. Mais pour être véridique, disons que Effia est juste spéciale. Arrête avec ça, dis plutôt que tu es fou d'elle. Oh, ça fait du bien de t'entendre un peu. T'entendras embellir ma journée, mon amour. Appelle-moi encore par ce nom et je vais garder le sourire pour tout le reste de la journée. Tu sais que tu es ma pierre précieuse. Et le travail, alors? On ne se plaint pas. Je te ferai parvenir de l'argent la semaine prochaine. Non, non, ne t'en fais pas pour moi. Je n'ai pas encore fini de dépenser l'argent que tu m'as envoyé. Tu sais que tu en as besoin plus que moi. Tu ne cesseras pas de m'étonner. Transmets mes salutations à tes parents et tes amis. Je te rappellerai d'ici quelques jours. D'accord. George? Oui? Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je n'y arriverai pas, même si je le voulais. Bonjour, madame. Bonjour, Grace. Dis-moi, où est ma fille? Elle est sortie en voiture ce matin. Et où elle est-elle?
J'ai essayé de lui demander, mais elle n'a pas voulu me répondre. Et puis, comme je savais que vous étiez rentré tard, je n'ai pas voulu vous réveiller. Du café, bien noir? Non. Une tasse de thé. Avec une rondelle de citron. D'accord, madame. Allô? Oui, c'est la résidence de madame Miles. Comment? Quel hôpital? Hein? Je vous ai demandé quel hôpital, bon sang! J'arrive tout de suite. Grace! Je reviens. Mais. D'accord, madame. Il faut que je prenne les médicaments. Tu ne vas pas continuer à faire cela. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi comment tu as pu faire un choix qui a complètement ruiné notre vie! Tu n'es donc pas prête à me pardonner, n'est-ce pas? Non, ça jamais, ne me demande jamais de te pardonner! Dans les tas de lettres que je t'ai fait parvenir, dans chacune d'elles, j'ai imploré ton pardon, au nom de Dieu! Va prendre tes médicaments, George. J'ai hâte de savoir ce qui est arrivé à la fille après qu'elle ait perdu connaissance. Il ne s'agit pas de cette fille dans cette histoire, mais plutôt de l'autre fille. Bonjour, madame. Je ne reçois aucun visiteur aujourd'hui. Annulez tous mes rendez-vous. Oh, oh non, mais c'est attendez, pas possible. Comment je vais faire celle-là. Madame, j'ai vraiment besoin de la voir. Vous savez ce qui s'est passé. J'ai bien compris vos ordres, madame, mais Monsieur George a insisté pour vous voir. Maintenant. Est-ce que vous pouvez sortir de mon bureau, espèce de sotte? Je suis désolée, madame. Non. Les personnes sottes ne sont pas désolées. À vrai dire, elles ne peuvent pas être désolées. Parce qu'un cerveau qui est littéralement défaillant ne peut pas comprendre une vérité aussi absolue, Doris. Maintenant, dites-moi où est George et d'ailleurs, qu'est-ce qui lui prend d'insister pour me voir? Nous avons perdu un ouvrier ce matin. Selon les rapports, il aurait mal manœuvré l'une des machines. La machine a découpé son bras droit en morceaux. Il s'était enroulé dans la lame. Quoi? Mais un employé du service mécanique a vérifié la machine. Et s'est rendu compte qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de toute la production. La maintenance aurait dû avoir lieu il y a 6 mois à l'étranger, mais vous avez fait annuler la décision pour qu'elle soit réparée ici au pays. La famille du défunt a voulu saisir la justice pour cette affaire, mais George est intervenu au nom de l'entreprise et a réussi à les convaincre de privilégier la voie du dialogue. Et le directeur n'a pas jugé nécessaire de me tenir informé de cette situation. Souvenez-vous qu'il y a 2 jours de cela, vous avez fait suspendre tous les appels d'affaires à votre résidence. Faites-le entrer. D'accord, madame. Je sais ce que vous voulez que je dise, George. Que vous êtes brillant, que j'applaudisse. Vous voulez des éloges. Dites-moi, quel jeu vous jouez? Vous arrivez avec une timidité sortie de je ne sais où pour réaliser votre rêve qui est de réussir dans cette ville et vous saisissez cette opportunité pour tenter votre chance, pour jouer au héros. Et maintenant, vous pensez que vous êtes peut-être important ici. Je suis désolé, j'étais seulement... Je n'ai pas encore fini. Que ce monde est cruel, George. Un monde rempli d'injustice, de méchanceté, de coups bas, de mensonges, de cupidité et de pure cruauté. On s'en fiche du mérite et de l'éducation. Je me fiche pas mal de vos compétences. Il y a des milliers de diplômés comme vous en ville qui sont au chômage et ils ne savent même pas à quel saint se vouer.
Si vous voulez jouer le jeu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Georges, alors vous devez saisir le revolver avec les deux mains. Et savoir comment bien viser. Et savoir à quel moment il faut appuyer sur la gâchette. Je suis désolé, madame. Mais je suis là parce que... Vous voulez vous attirer mes bonnes grâces. Mais devinez quoi? Vous le méritez, Georges. J'aime les personnes qui ont de la ressource. Et vous êtes plein de ressources. J'ai une maison inachevée au bord de la nouvelle autoroute. Et je veux que vous me retrouviez là-bas à 19h ce soir. Je veux avoir une discussion avec vous. Tenez-vous prêt, Georges. Et ne mentionnez cela à personne. Ma douce fleur. Jeune homme, dis-moi, où est-ce que tu m'as dit que tu allais déjà? Au quartier, qui est situé après le carrefour, il y a un spectacle musical qui se déroule là-bas en ce moment. C'est quand même bizarre, Georges. Tu n'as pas pour habitude de sortir le soir. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est une première fois. Tu es sûr que tu n'as pas attrapé une nana comme celle-ci et que tu ne veux pas m'en parler, hein? Hé, Georges! T'es vraiment drôle, toi. Sois prudent, mon frère. Ici, c'est pas le village. On n'est pas au village. Oh, laisse-le partir, hein? On dirait que tu aimes bien ça, toi. Entrez, Georges. Quelle ponctualité. Asseyez-vous. Un peu de vin? Non, ça va. Merci beaucoup. Pas besoin de perdre de temps, je vais aller droit au but. J'ai une offre pour vous, Georges. Et une proposition. Une proposition? Comment souhaitez-vous devenir riche? Vous voulez rouler dans de grosses voitures de marque? Vous voulez voyager dans le monde? Avoir tout ce que peut offrir l'argent? Ça a vraiment l'air d'un conte de fées, madame. Oh, mais vous n'êtes qu'à deux doigts de ce conte de fées, Georges. Une autre possibilité pour réaliser tous vos rêves. La balle est dans votre camp. Je suis prêt à tout pour avoir une telle vie. Si seulement je savais ce que je pourrais faire d'autre au lieu d'être qu'un simple employé d'usine. Ma fille est à l'hôpital en ce moment. Elle a perdu la mémoire. Et suite à un avortement forcé, elle ne peut plus avoir d'enfant. Je veux que vous l'épousiez. Comme ça, vous hériteriez de tous mes biens. Votre vie pourrait changer en moins de 2 semaines, Georges. Vous seriez couvert d'or. Les diamants seraient à vos pieds. Et alors, vous pourriez dire adieu à la pauvreté. Je vous offre une nouvelle vie. Cependant, il y a une condition. Vous allez devoir subir une procédure médicale pour devenir stérile. Pendant toute la durée du contrat, vous ne pourrez pas avoir d'enfant pendant le mariage. Ensuite, j'irai adopter un petit garçon dans un orphelinat. Et vous vous présenterez à l'hôpital et vous direz que cet enfant, vous l'avez eu ensemble. Lorsqu'elle aura retrouvé la santé, je célébrerai votre union. Et vous allez automatiquement assumer le poste de directeur général. Bien sûr, les gens de l'entreprise seront stupéfaits. Mais vous leur direz que vous aviez une relation avec ma fille et que vous l'aviez gardée secrète à cause de la pauvreté de votre famille. Jusqu'à ce que j'ai considéré que par amour, vous aviez le droit de l'épouser et que j'ai finalement accepté votre union. Ce qui a fait de vous le patron de l'entreprise. Je vais alors marquer des points en politique, en organisant une conférence de presse, et en versant des larmes de crocodile, je ferai un discours pour sensibiliser les gens sur l'inutilité des classes. Des classes sociales, oui, avec des larmes aux yeux, je dirai que je crois que l'amour véritable peut changer le destin d'une personne. Et bien sûr celui d'une nation.
Est-ce que vous êtes partant? Oui ou non? Je vous le répète encore une fois, Georges. Êtes-vous partant? Oui ou non? Quoi? Tout ça juste pour épouser sa fille? N'élève pas trop la voix. Elle m'a mise en garde de ne le mentionner à personne. Je te le dis parce que, tu sais que je ne peux rien te cacher, tu le sais. C'est une proposition indécente. Tu as raison, mon frère. Jusqu'à ce qu'on en arrive au point où je deviens directeur général. Ça te tente vraiment, Georges? Non, non, Mike. Je suis juste en train de peser le pour et le contre. Mais attends. Je veux dire, pour rien au monde, tu ne dois sacrifier ta fécondité, quels que soient les avantages qu'on te propose. À quoi ça sert d'être fécond si l'on doit vivre... Si l'on doit vivre dans la misère sans être capable de s'acheter les produits de première nécessité? Dis-moi, qu'est-ce qui ne tourne vraiment pas rond chez toi? J'entends deux voix qui me parlent. Comment souhaitez-vous devenir riche, Georges? Votre vie pourrait changer en moins de 2 semaines, Georges. La balle est dans votre camp. Ne m'oublie pas, Georges. C'est de l'alcool. Je prends ça quand je suis accablé des soucis de la vie. Ouais, ça me fait du bien. Ne bois pas trop. C'est assez fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te suicider? Ça va mieux? J'ai la tête qui tourne. J'ai le vertige. Je ne sens plus mes mains. Je t'avais dit de pas trop en prendre. Hein? Vous êtes deux à me regarder en ce moment. Je ne sais pas auquel de vous deux je m'adresse. Mais quelque chose me fait dire que... Je t'assure que demain matin... J'irai donner une réponse à Madame Evelyn Mills. Il n'y a que 4 mots qui sortiront de ma bouche. Je vais le faire. Je me faisais du souci pour toi. Et puis tu sais, il y a un bateau qui venait en ville. J'avais vu l'adresse de Mike dans un de tes calepins. Je me suis dit qu'il était temps que je vienne te voir. Est-ce que tu vas bien? Oui. Et toi? Comment vas-tu? Le fait de te revoir me met du baume au cœur. Mike m'a dit que tu as trouvé un bon boulot et que les choses se passent bien pour toi. C'est vrai? Dieu m'a vraiment béni. Et mon père aura vraiment honte. Et les paroles de la voyante vont finalement s'accomplir. Quelle voyante? Il y a une jeune fille qui était morte et est revenue à la vie. Elle se promène dans le village en prédisant l'avenir. Elle est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je vois cela dans tes yeux. Les nuits, tu vas te coucher en pensant à lui. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Ne m'oublie pas, George. C'était la dernière parole que tu lui avais dite. En effet, il n'est pas destiné à t'oublier. Mais voudrais-tu savoir ce que je vois? Voudrais-tu que je te dise ce que je vois? Oui. La vie ne lui donnera qu'une seule chance de devenir riche. Et cette richesse doit être entachée de sang. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. La partie qui me laisse perplexe, c'est le fait que cette richesse sera entachée de sang. Peut-être que cette voyante n'a pas vu clairement. Peut-être. Que tu feras un accident de travail, tu penses pas? Ne dit-on pas que les bonnes choses s'acquièrent difficilement? Quoi qu'il en soit, mon amour, la richesse, c'est la richesse. Elle s'en alla le lendemain matin. Ce fut alors la dernière fois que je l'avais vue avant que ma vie ne change complètement. George, ma fille et mon avocat vous attendent dans le bureau. Ils vont vous expliquer tout le processus une dernière fois. Maintenant, si jamais vous voulez changer d'avis ou être lâche, eh bien, George, c'est maintenant qu'il faut vous décider. Lorsque vous aurez signé le contrat, George, nous démarrerons le processus. Ensuite, vous irez subir la procédure médicale pour la vasectomie. Y compris d'autres détails par rapport à votre désormais image de marque. Voici Boris Mensa, Perry Stallone, et Eddie Cobena, la styliste modéliste. James Addo, médias et publicité. Mamie et Seo Bimke, étiquette et protocole, et enfin Chris Oviti, la sécurité. Mesdames et messieurs, votre client, prenez soin de lui. On le fera, madame. Désormais, je vais annoncer la nouvelle à ma fille. Je vais l'informer de l'existence de son mari. Souvenez-vous, elle ne doit pas être au courant de notre accord, vous savez. À chaque étape, George, vous allez marcher selon mes ordres. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, sans protestation de votre part. Vous avez compris? Maintenant, c'est vrai que vous dormirez aux côtés de ma fille toutes les nuits. Alors n'oubliez jamais, c'est moi qui contrôle les choses ici. Selon les termes de ce contrat, je vous ai acheté. Et vous m'appartenez.
Bien joué. Bienvenue dans la cour des grands, Georges. J'ai appris que tu ne travaillais plus à l'usine. C'est vrai. Il est grand temps pour moi que je m'occupe de mes affaires. C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas accepter ça. Et pourquoi ça? Parce que je ne peux pas. Je répète, je ne peux pas. Mike, je... je te comprends pas. J'essaie de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Écoute, George, je ne cherche pas à jouer les anges, mais tu ne te rends pas compte. Je te jure au nom de Dieu en qui je crois qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans cette histoire. Oui, tu as raison. Du genre, où est-ce que j'avais la tête? Il y a certainement quelque chose d'irrationnel dans cette histoire, sur le fait que je suis venu ici dans une belle caisse, habillé dans tous ces beaux vêtements... te remettant un chèque. Après tout, c'est bien le même Georges, hein? Celui que tu as hébergé ici au quartier, qui venait s'asseoir avec toi pour regarder les gars jouer aux dames. Le même Georges qui dormait avec toi dans le même lit. Oh, non. Je n'ai jamais dormi sur un lit. Je dormais à même le sol. À même le sol, Mike! En comptant les étoiles à travers la fenêtre. En me demandant s'il fallait croire encore en un lendemain meilleur, Mike. Je comprends ce que tu ressens. Tu dois te dire, tu aurais cru qu'un jour, George allait me regarder en face et me remettre un chèque, c'est ça? Maintenant... Tu peux choisir de continuer à vivre dans ta misère, cela n'engage que toi. Ça m'est égal. J'ai déjà fait un choix. Et tout ce que je veux, c'est juste t'aider. Vas-tu prendre ce chèque ou non? Fais-moi une dernière faveur. Assure-toi que ça parvienne à Ephia. Et pour reprendre tes mots, je te jure qu'au nom de Dieu en qui je crois, peut-être qu'un de ces jours, le Seigneur me pardonnera mes péchés. Si jamais j'en ai commis. Je suis perdu ou quoi? Tout va bien, j'espère. Oui, tout va bien. Tu ne me donnes pas l'impression que tout va bien. Comment va Georges? Georges va bien. Il te passe un grand bonjour et... il m'a demandé de t'apporter ça. Avec quoi veut-il me faire une surprise? Un sac rempli de vêtements de la ville? Ah! Ah! C'est quoi ça? Exactement ce que tu vois. De l'argent. Tu peux me dire où est-ce que George a eu tout cet argent? Je n'en sais rien. Tu ne sais pas? Tu vis avec lui, vous travaillez dans la même entreprise et tu reviens au village avec un sac rempli d'argent. Et tu ne sais pas. Écoute, Ephia, ma mission était de te remettre ce colis.
Je n'ai vraiment pas de réponse à toutes ces questions. Dis-moi. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait un moment. Un moment, ce n'est pas une réponse à Luc. Ce n'est pas Luc. Quoi? Je m'appelle Georges, et non Luc. Regarde, écoute-moi. Je comprends à quel point cela est difficile. Mais j'ai la ferme conviction que tu vas t'en remettre. Et je veux que tu saches que je serai là, à tes côtés, pour te soutenir dans toute cette épreuve, si tu me le permets. Très bien. Tout est bien qui finit bien. Il n'y a rien, absolument rien du tout, qu'Evelyn Miles ne puisse pas régler. Evia, qu'est-ce que tu fais ici? George! Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler. Pas ici, et pas maintenant! George! George, ne me fais pas cela, je veux juste te parler. Il faut que tu partes, je ne peux pas te parler maintenant. George, non! George, il y a un problème là-bas? Non, mon amour, tout va bien! Ok, alors dépêche-toi, s'il te plaît, je vais être en retard. Dépêche-toi! Il faut que tu partes. Je ne peux pas te parler maintenant. Tu peux pas me faire ça. Il faut que je te parle. Tu peux pas me faire ça. Georges, je veux te parler. Je veux te parler. Va-t'en, je te dis. Va-t'en. C'était quoi ce bazar? De quel bazar me parles-tu, Georges? Tu es allé jusqu'à presque faire une scène! Baisse d'un ton, Georges, et traite cette dame avec un peu de respect. Ne te mêle pas de ça, Mike. Ça ne te regarde en aucune manière. Ok. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Georges? Qu'est-ce qui t'a rongé le cœur comme ça? La cupidité. De la pure cupidité, rien d'autre. Écoute-moi bien. Ça. Écoute, Mike, ce que je fais de ma vie ne te regarde absolument pas, bon à rien. La cupidité, l'égoïsme, appelle ça comme tu veux. Mais contrairement à toi, je ne vais pas croiser les bras et prendre plaisir à broyer du noir, tu m'entends? Je ferai quelque chose de ma vie. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment, c'est ce que tu possèdes seulement. L'argent ne signifie rien. Mensonge! C'est un mensonge, Mike. Pour moi, l'argent signifie tout. Écoutez, dans ce foutu monde, il n'y a vraiment que l'argent qui compte. Faites un tant soit peu fi de vos convictions religieuses. Ainsi, vous vous rendrez compte qu'il y a un monde de riches d'un côté et vous les pauvres de l'autre. Malheur à moi si je me contente seulement que d'en être qu'un spectateur. Et notre amour? Tes promesses? Ton amour? Georges! J'ai mis mon amour dans un sac et je te l'ai fait parvenir, Evia. C'est donc tout ce que je veux. Toutes ces choses qu'on a eues à partager ne se résument en un foutu sac d'argent. Tu peux le reprendre. Vraiment. Tu peux reprendre ton argent. J'en ai rien à faire. Va nourrir ton âme avec. Écoute, Georges, va te laver la conscience avec, car j'en ai vraiment pas besoin. Même pas un centime. Je comprends ce que tu ressens. Non, vraiment. Tu peux pas comprendre. Va-t'en. Va vivre dans ton duplex.
Va jouir des bonnes choses de la vie, va-t'en. Prouve-moi que je ne suis rien pour toi. Disparais de ma vue, va-t'en. Je suis désolé de t'avoir fait autant de peine. Georges. Georges. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Georges. S'il te plaît. Georges. 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 Je ne l'avais ni revu ni eu de ses nouvelles pendant longtemps. Et un beau matin, pratiquement 18 mois plus tard, j'ai reçu un appel étrange. Allô? Résidence de Madame Mills? Excusez-moi, monsieur, vous avez un appel. Et qui est-ce? Il dit qu'il s'appelle monsieur Mike. Mike? Mike? La dernière nuit chez Mike avant mon retour au village. En voici le fruit. Je peux l'apporter? Oui. Elles étaient deux. La sage-femme m'a dit que l'autre est morte dès sa sortie. Tu sais ce que cela signifie? Ça signifie que tu es père, Georges. Evia, personne ne doit savoir. Je vais te trouver un endroit où tu vas rester et je vais te donner tout ce dont tu auras besoin. Ce n'est pas pour cela que je suis venue. Mais juste pour te prouver que... qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Chut. Une nuit froide, n'est-ce pas? On dirait qu'une pluie se prépare. Les scientifiques estiment que c'est un simple processus. L'eau se transforme en vapeur, se condense et ensuite tombe sous forme de pluie. Ils ont cette tendance à rendre les choses si simples. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Quel âge a-t-il au juste?
De qui est-ce que vous parlez? Oh. Georges, ne faites pas semblant avec moi. Mais je dois avouer que vous vous débrouillez bien. Dites-moi quel âge a le bébé. Votre bébé. Neuf mois. Maintenant, je me rends compte que... souvent dans la vie, les choses peuvent mal tourner, Georges. Un chiot peut échapper à son maître et se retrouver sur la route et... se faire écraser. Un automobiliste peut perdre le contrôle de sa voiture et tuer des piétons qui marchent tranquillement sur le trottoir. Certaines choses peuvent arriver. Et ce n'est la faute de personne, on ne trouve pas de coupable. Mais lorsqu'il y a une tâche, Georges, quelqu'un doit se charger de la nettoyer. Maintenant, ce bébé se doit de disparaître. Sinon, je vais devoir me charger de vous écraser et de vous laisser dans un pire état que celui où je vous ai trouvé. Tuez ce bébé. Cette nuit. Georges, ah, où est-ce que tu étais passé, dis-moi? Je reviens tout juste du tailleur, ma mère a insisté pour que je change ma garde-robe. Ah, t'étais où, toi? J'étais dans le bureau. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux venir? Non, je dois passer prendre un dossier au bureau. Un dossier? À cette heure-là de la nuit? Oui, c'est un dossier qui contient un ensemble de documents dont on aurait besoin. Pour une réunion, demain matin. Ok. S'il te plaît, fais attention à toi et reviens plus tôt, d'accord? D'accord, chérie. Je monte, moi. Oh, ça me rappelle que... tu ne saurais pas par hasard si Grace reviendra à la maison ce soir? Non. Je te demande cela parce que j'ai vu sur le sol de la boisson et des tessons de verre cassés. Chose qui peut s'avérer dangereux et le bébé ne doit surtout pas jouer avec ce genre de choses-là. Oh, je ne pense pas que Grace puisse être si négligente. J'espère bien. Peu importe, j'ai déjà nettoyé tout ça. C'était juste pour te le dire. Allez, je remonte. Georges? Tu es sûr que ça va? Oh, non, je vais bien. T'en es vraiment sûr? Bien sûr, ça va. Ok, je vais aller prendre un bain. J'ai un peu chaud. D'accord. Ok, bonne nuit. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous venez de me dire? J'ai dit que je ne peux pas faire ça. Je considère cela comme une parole déplacée exprimée sous l'effet de l'émotion. Maintenant, vous savez que vous ne devez pas me défier. Bon sang. Je ne peux tout simplement pas faire ça. Écoutez, si ce bébé n'est pas mort avant l'aube, eh bien, je vais oublier qu'il y a un contrat. Et je vais m'assurer qu'après vous avoir bien corrigé, on vous pendra sur le toit avec une chaîne. Maintenant, vous allez surmonter vos peurs et vous allez faire ce que je vous ai demandé de faire. Très bien! Aïe, né, 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 né.
tutti aio nene nene tutti aio nene 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 tutti. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Je voulais te faire une surprise. Comment tu l'appelles ? C'est toi que j'attendais pour lui donner un nom. Je vais l'appeler Fortune. Fortune ? Oui. C'est ce qui importe vraiment pour un homme qui est riche. Je vais prendre rapidement un bain. Voici sa nourriture. J'attendais que ça se refroidisse un peu. S'il te plaît, donne-la lui si elle venait à se réveiller. C'est fait. Oh, que Dieu ait pitié de votre âme, Georges. Calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. Il faut que tu te calmes. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez. Ça va passer. Tu as tué ce bébé. Tu as ôté la vie à ton propre enfant. Et tu as mis le poison dans sa nourriture et ensuite tu lui as donné. Qu'est-ce que tu es? Tu es sans cœur, Georges. Dis-moi jusqu'où peut aller ta cruauté, dis-le-moi. Ne verse pas tes larmes de crocodile en ma présence, t'as compris? Et raconte-moi la fin de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Georges? Je n'arrivais plus à me supporter. Ça montait jour et nuit. Malgré tous les efforts que je faisais, je n'arrivais pas à mon plus grand désarroi. Des moments plus sombres m'attendaient. Châtiment mérité, peut-être. Et bientôt, arrivait une période de plus grande terreur. Voici la liste de quelques commandes que nous avons passées ce mois-ci. Madame,
Madame, madame. Qu'est-ce qu'il y a, Grace? Qu'est-ce qui se passe? C'est Lydia. Qu'est-ce qu'elle a, Lydia? Elle est tombée dans sa chambre, madame. Et lorsqu'elle s'est levée, elle regardait autour d'elle et a commencé à poser des questions. Et quand je lui ai parlé, son mari et son bébé, elle s'est mise en colère. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Votre fille, elle est en haut, venez. Faites vite. Ne me touche pas. Ne me touche pas, je t'ai dit. Mais qu'est-ce qui te prend, chérie? Ne t'avise pas de poser la main sur moi. N'ose même pas. Bébé, Grace m'a dit que... Qui diable est-ce que tu es, toi? Hein? Bébé, tu es sûr que tout va bien? J'ai dit, qui diable es-tu? Je suis ton mari. Je ne suis pas mariée, espèce de malade, menteur, fou! Qu'est-ce que tu m'as Lydia. Fait? Lydia! Qu'est-ce que tu m'as fait, mon Dieu démon? Tu as besoin de te calmer, Lydia. Je peux te donner une explication. Non. D'accord. Explique-moi tout. Explique-moi le fait que j'ai un mari et un bébé. Explique-moi. Tu as eu un accident. Je me souviens de l'accident. Oui, je m'en souviens. Je me souviens que ma voiture avait fait une crevaison. Ensuite, j'ai fait une sortie de route. Oui, c'est tout. C'est tout ce dont je me souviens, oui. Tu as perdu la mémoire. Et alors, maman? Tu m'as donné en mariage alors que je ne savais même pas qui j'étais. Et qu'en est-il du bébé? Qu'en est-il de cet enfant? J'essayais de t'aider. Ah, oh, bon sang. Non, maman. Non, maman. Tu n'essayais pas de m'aider, non. Tu as toujours pensé qu'à toi, qu'à ta propre petite personne, rien qu'à toi, t'entends? Arrête, ah, ça suffit, Lydia. Tu as besoin de te ressaisir maintenant. Si tu n'avais pas couché avec cette espèce d'imbécile, nous ne serions pas dans cette situation actuellement. Maman, écoute, tu n'es qu'une sale garce. T'entends? C'est toi qui l'as amené dans cette famille pour commencer. C'est toi, maman! Si tu me manques encore une fois de respect, je vais t'envoyer dans un centre psychiatrique pour toujours. Non, non, maman. Tu sais quoi? J'en ai marre que tu me traites comme si j'étais un objet, t'entends? Attends, tu sais quoi? Je vais aller dans la rue et je vais raconter à tout le monde, tout le monde, tout ce que tu m'as fait. Attends un peu de voir, tu vas voir. Reviens ici. Ne me touche pas, lâche-moi, je te dis, tu me lâches, t'entends? Ne me touche plus jamais, sale démon, je vais te tuer. Viens avec moi, Gina. Où? S'il te plaît, viens juste avec moi. S'il te plaît. Après la mort d'Evelyne, je suis parti de la maison. J'avais beaucoup d'argent, mais nulle part où aller. Je ne me sentais à l'aise nulle part. J'ai ensuite réalisé que tout n'était que futilité. Les hommes se ruent,
vers la richesse et le succès. Mais cela revient à poursuivre le vent. Tout disparaît, comme de la fumée. Il y a un mot qui décrit parfaitement tout ceci. La vanité. Tu avais raison à propos d'une chose. L'argent ne signifie pas tout. Fini l'histoire. J'ai perdu toute trace de ta mère. Et 7 ans après, je suis allé voir un vieil ami à moi. Et il m'a dit qu'il y a des gens qui étaient au village à sa recherche. Apparemment, la nuit où tu es né, comme ta mère me l'avait dit, vous étiez des jumelles. Mais la sage-femme lui avait menti, en lui disant que tu étais morte et t'avais vendue à une autre femme. Tu étais tombée gravement malade. Et la femme qui t'avait achetée, ayant eu peur d'un malheur, a finalement avoué son péché et m'a donné son adresse. C'est comme cela que je t'ai retrouvée. Et lorsque j'ai emménagé ici, pour m'isoler et vivre dans ma solitude. Quand j'ai senti que tu étais devenue assez grande, j'ai commencé à t'écrire. Tout ce que je veux t'entendre dire, ce sont ces mots. Je te pardonne. À quoi cela va servir? Je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. Mais toi, si tu le fais, alors peut-être qu'il y a une chance que Dieu me pardonne. Salut, Georges. Ton fusil est prêt. Merci, Wajo. Sois là très tôt demain matin. J'ai appris qu'il y a des antilopes. Si seulement je pouvais. Tu sais, parfois, la seule chose qu'un homme comme moi puisse chasser, c'est bien les... Georges, je ne comprends pas tes paraboles. On se voit demain. Demain. Il faut que je parte maintenant. Tu ne vas donc pas me pardonner? Non, papa. Même mort, je vais toujours te considérer comme un véritable monstre. Ne m'écris plus jamais de lettres. Parfois, la seule chose qu'un homme puisse chasser, c'est bien lui-même. La seule chose qu'un homme comme moi puisse chasser, c'est bien lui-même. Papa! Papa! Oh.
Je n'ai écrit que très peu de lettres dans ma vie. Mais celle-ci a été de loin la plus difficile à écrire. J'espère par la grâce de Dieu qu'en parcourant celle-ci, tu finiras par te réconcilier avec ton père. Et tu oublieras toutes les rancœurs et les douleurs que tu as accumulées pendant toutes ces années. Tu sais, la vie n'est pas qu'une aventure difficile, mon amour. Trop difficile pour que l'on ne puisse pas trouver la force nécessaire pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est difficile et je comprends. Peut-être que la chose la plus difficile pour toi est de pardonner à ton père. Mais le fait de se cramponner à ses rancœurs est pire. Je crois qu'un nouveau chapitre s'ouvrira pour toi. Tu pourras tourner la page dans ta vie et j'espère que, quelque part, dans un de ces chapitres, je serai mentionné. Un bus part pour Souyani très tôt le matin. Je t'attendrai, debout sur mon balcon, avec le regard fixé sur le portail, en espérant t'accueillir dans mes bras.